Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2, toujours en compagnie de Joël évidemment et de Ellie avec nous. Nous étions dans cette rue, bienvenue pour l'épisode 12, comme d'habitude, posez un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas évidemment de vous plonger dans le noir, un petit truc à boire et à manger, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Et vous savez qu'une demi-heure, eh ben on en fait des choses en une demi-heure, mine de rien. Et nous voici donc à un joli carrefour. Avec du monde là-haut. On va essayer de piquer tout cela. Parfait. Ok. Alors. Voyons voir ce qui va se passer. On va attendre qu'ils prennent position histoire de voir leur circuit. What the fuck? Toujours là-haut? Ok. Oh, 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 oh. Ellie, tu baisses Bibiche? Hey, tu sais qu'ils ont fini par avoir le type et sa fille? Il reste qui? Juste le mec et la gamine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ceux qui étaient dans ce pick-up. C'est vraiment le bordel. Comment je vais m'en sortir, là? Hé, hey, combien de temps on est censé rester planté là à rien foutre? Je sais pas. Viens, on va aller voir les autres au bout de la rue. Oh putain. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. On va vraiment attendre que tout le monde prenne position parce que là... Alors, il y en a deux là-haut. Trois à gauche en bas. Ça fait vraiment beaucoup. Joël, il y a un type au premier étage, juste là. Ouais, je le vois. Pas un bruit. Ok. Très bien, on va passer par ici au calme. On va s'occuper des deux mecs en hauteur. Ça peut ne pas être une mauvaise idée. Difficile de ne pas faire un seul bruit avec autant d'armes sur le dos, Joël, mais enfin bon. Waouh, quoi? Ok. Ok, on fait quoi? On l'attend ici, le man? De toute façon, il n'y a plus rien en haut. Je pense qu'il va revenir. Hein. Non? Monsieur? Là, il est beaucoup trop proche. Beaucoup trop proche des problèmes. Ok. C'est terrible. Ils ont pas un circuit très programmé en fait. Et ils ont vraiment une vadrouille. Je sais pas comment expliquer. Oh, ils sont trois. Oh, Ellie, elle vient sous mes bras. Waouh. Au moins là, c'est rapide. Là-bas. J'ai vu un truc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un truc. Merde! Un mort! Hé, hey, déployez-vous! Ils ont fait la même animation exactement en même temps. Ouais, ouais. Sois prudent, vieux. Putain de merde. Attendez. Peut-être le moment de sortir mon plus bel arc. Je vois rien. Bien, allons-y. Surprends-les! Ok, ok, on se calme, je rigole.
Waouh. On est face à quelques problèmes. Ok, on peut passer. Wouh. Ok, ça c'est beau. Ok. Écoutez, je crois qu'on va faire l'accueil un peu de temps. Une note. Note attaque de gang. Très bien. C'est un objet de collection, paraît-il. On a nettoyé. On a nettoyé la zone. Donc, on va pouvoir y aller. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les ennemis. Ah, d'accord, on va descendre par ici. Ok, très bien. Après, on peut utiliser ce spot pour faire un peu le snipes. Ça peut ne pas être dégueu. Ok. Oh, 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 oh. Ok. Oh, 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 oh. Ok. Ça, on peut en faire un. Ça serait pas mal. Voilà, c'est jamais trop ces petites boîtes explosives. C'est vrai que c'est assez puissant. Là, on peut pas monter, ça sert à rien. Très bien. Je suis sûr que je vous fais voir des trucs que vous avez jamais vu il y a 9 ans. Enfin, qu'on n'avait jamais vu il y a 9 ans, pour le coup. Ok, là, y a rien. 1, 2, 3, toujours. 1, 2, 3, soleil. Ok. On va essayer de se rapprocher. Ouh là là. Ouh là là, le mec à droite. Oh putain. Il voit de tellement loin, c'est impressionnant. Oh. Oh. J'ai plus rien acheté. Ok, je suis un monstre. On va attendre un tout petit peu qu'ils reviennent et qu'ils se séparent. J'avoue que je m'attendais pas à faire un perfect comme ça. J'ai analysé la situation, j'ai pré-shot. Le move était bon, quoi. Là, mais l'autre. Mais attends, il n'y en a pas deux là. Ok. On le tente à l'arc. Oh, je suis con. Que je suis con. Ah ça. Bon, une petite brique ici. Je voilà, je la survie à tout prix. J'étais j'étais persuadé d'avoir l'arc en main. Tant pis, c'est ma faute. Bon bah écoutez, zone suivante. Par contre, je suis pas un peu fier de la petite flèche que j'ai mis dans les chicots du man. Je vous avoue que ça fait plaisir. On a quoi ici? Ok, on n'a plus rien. Et dedans, on a quoi, la petite librairie là? Oh, ça peut être fort intéressant. A fortiori, ça peut être très intéressant. Oh. Alors, Agence fédérale de réponse aux catastrophes, centre de rationnement. Ok. Oh. Oh. Très bien. Je prends. Et là, on a quoi? Une petite lettre. Alors, on a fini de traquer les survivants dans la ville. Une poignée de soldats se cachaient dans l'hôtel. On s'est occupé d'eux.
quelques-uns d'entre nous ont attaqué leurs fortifications, ou ce qu'il en restait, la plupart des gros engins ont été détruits dans la bataille. On n'est pas prêt de piloter un char. Idem pour la grosse artillerie. Il n'y a que leurs 4x4 qui ont réussi, qu'on a réussi à réparer avec sa mitrailleuse de calibre 50. En tourelle, ce truc est indestructible. Je suis curieux qu'on vienne nous emmerder maintenant. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? La suite, je suppose. Hop, ça je prends. Paquet de chips. Ça fait toujours plaisir. Allez! Non? Oh, vraiment? Et voilà. Ok, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Tout ça je prends. Oh, c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est bien aussi. J'aime bien! Ok. Très bien. C'était une petite planque plutôt bien fournie. Alors c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Allez viens bibiche. Oh merde, j'ai encore oublié un dialogue. Oh quelle tristesse. Okay. Et voilà. Ok. Allez Lee, on mène son boule. Superbe. Ok. On y est presque. Il est loin le pont. On y va. Ok. Alors, on va aller fouiller là-haut. Oh, Sugoi, qu'est-ce qu'on a là? École préparatoire militaire, la FEDRA. D'accord. FEDRA. Une tête de tigre. Dans ce genre d'endroit, en zone de quarantaine de Boston. Ah oui. L'école préparatoire militaire. Ouais, c'est un orphelinat en gros. Je me demande ce qu'ont pu devenir tous ces enfants. Cet endroit est fermé depuis un bout de temps. Ce ne sont plus des enfants. Donc soit ce sont des chasseurs qui essaient de nous tuer, soit ils sont morts. Ou ils sont partis. Mais t'y crois pas. Je crois qu'il faut quitter cette ville. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on a donc? Qu'est-ce qu'on a là, pardon? Rien. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Ah, il y a peut-être... Ah non, deux planques comme ça d'affilée. Ah, je veux dire, level design m'en parlant. Dawn of the... En voilà une autre. Et ça, je prends. Ces affiches sont partout. Superbe. Superbe. Ouais, je l'ai vu, juste avant l'épidémie. C'est vrai? Et est-ce qu'il lui fait la peau? Personne ne meurt, c'est juste un film pour ados. Qui t'a emmené le voir, alors? J'en sais rien. Allez, reste concentré. D'accord. Il a toujours pas dit qu'il avait... Attendez. Vous savez quoi, on va se refaire ça. Pas de gâchis. Comme ça, ça nous permet de ramasser le petit papier derrière. Voilà. Oh non, je suis un connard. Bah non, c'est bon. Voilà. Allez, je suis le meilleur. Du papier, ça, on en a, je peux vous le dire. On en a plein la besace. Let's go. Let's go pour la suite. Ça va, reste accroupi. Continue. Je sais pas, vous? Non, mec, 25. Bacon. Je te jure. 25 okay. Boîtes de bacon? Enfin, 24. Viens dans une rue. Où t'as trouvé 24 boîtes de bacon, putain? Dans un casier militaire de l'hôtel, il y a longtemps. Ruben et moi, on est tombés dessus et on a fait moitié-moitié direct. Et il est encore bon? Quand est-ce que t'en refais? Pourquoi? Ok. À ton avis, j'en veux, tiens. Ouais, c'est ça. Hey, je t'ai sauvé de ce claqueur la semaine dernière. Je vais y réfléchir. T'aurais dû te laisser crever ce jour-là. Oh, ah, c'est bon. T'en ferais si t'arrêtes de remettre ça sur le tapis. J'espère que c'est aussi bon que tu le dis.
C'est du bacon, bien sûr que c'est bon. On va passer par ici. Ok. Un, deux. Parfait. Oh. Par ici. Wow, wow, wow. Ok. On se calme. Putain, mais ils nous tirent dessus avec quoi? Un genre de forêt militaire. Reste baissé. Ouais. Et là, il y a un manoir. Ok. Ok, super. Superbe. Ok, on va avancer en parmesan, les gars. C'est faire, frère. Oh la vache. Calme, calme, les gars. Allez, couvre-moi. Ok. Ok. Putain, mais c'est pas possible. La vache. Je vois pas par où faut passer là. Je vois pas, hein. Ok, j'ai. Oh non. Ok, c'est bon. Allez, dégage. Vache. On va regarder s'il n'y a pas un petit truc là-haut. Il y a rien. Attends, il est passé là. Eh, viens, Ellie. Viens, Bibiche, on se casse. Ok.
Oh, on va fouiller tout ça. On va fouiller. Mais attends, il s'est garé là, j'ai cru, non? Attendez. Je sais qu'on peut monter, mais on peut aussi aller à la fenêtre. Ah non, on peut pas monter. Il y a beaucoup de distributeurs dans les cages d'escalier. Hein. Ils sont un peu fans de ça. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, monsieur. Excuse-nous. Je crois qu'on les a semés. Ok. On va passer. Et qu'est-ce qu'on est con, Joël ? C'est pas du tout ici, voyons. C'est de l'autre côté. Allez, viens, Bibiche. Ok. Ça, on prend. Ça, on prend. Je crois que j'ai pas mal de stimulants. J'ai pas mal de stimulants, regardez. Stabilité de l'arme. Et c'est quoi maîtrise du surin? Utiliser un surin pour échapper à l'emprise. Non, ça c'est pour éviter les one-shot, les confections rapides, guérison rapide. Et santé max, c'est 100. En vrai, hop, stabilité de l'arme, je l'avais dit la dernière fois. Ça, ça peut être extrêmement utile. Donc pas de soucis là-dessus. Ok, on va passer par ici. Attends, j'ai peur là. Non, non, faut pas descendre là. Faut... Je suis pas fou. Ouais, non, faut pas descendre. Attends, si, faut descendre. Non? Juste aller là? Oui. Oui. Ah. Il va vraiment pas nous lâcher, hein. Ils peuvent pas nous voir. Ok. C'est un peu le Némésis, hein. C'est quoi ça? Joël! Attends! Attends! Joël, arrête! Regarde! Laisse-le tranquille! Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Ah, oh, merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosse avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous? Ils sont morts. Hé, hey, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où? Nous, on vient de Harper. Vraiment? On m'a dit que c'était pas la joie là-bas. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Alors on est parti. Oh, 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 oh! Qu'est-ce qu'on a là? Confection, rayon accru des bombes incendiaires. D'accord, donc des molotovs quoi. Cocktail molotov amélioré, superbe. Oh, je prends. Je peux vous dire qu'au prochain, on va se régaler, mon prochain établi. Très bien. Il faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance.
Tu es seul avec ta fille ? C'est pas mon père, c'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. Je peux comprendre ça. Attends, Bibiche. Laisse-moi fouiller ton hôtel. Oh, oh, oh ! Laisse-moi fouiller ton hôtel ! Ok. Cool. T'inquiète pas que du surin, j'en ai pour ces conneries, hein. Oh ! Allez, il y a tellement de balles. Ok. Ça, je prends ça. Petite pilule, c'est bon, ça. Ça, on prend. Allez. Allez, ah, Ellie, laisse-moi passer. Oh non. Ellie, s'il te plaît. Non. Ellie, tu veux jouer à un jeu dangereux, là? Il y a encore des petits trucs. Oh, il est sympa, cet endroit-là. Alors? Oh, un petit comics en plus, qui plus est. Sauvage Tornet. Ellie aimerait ça. Livre numéro 10. Face profonde. Ok. Oh là là, il y a de la pilule, il y a de la pilule. Attends, mais là, les gars, ça régale beaucoup trop. Ça régale beaucoup trop. Regardez. De quoi se refaire encore du surin. Oh là là, oh là là. Ok. On y va. On y va. On va rejoindre Sam. Ah, Ellie, s'il te plaît. Ok. Eh ben, let's go. C'est ça votre planque? Alors... Mais non, putain, mais qu'est-ce que je fais, moi? Ellie, qu'est-ce qu'on branle? Dégage. Ellie! Elle me bloque tout le temps. Excusez-moi, les gars. En ce moment, je suis un petit peu perdu, ok? J'avais oublié que vous étiez descendu. Allez, je te suis. T'as l'air motivé à me montrer ta planque. Je me souviens de deux. Ils sont incroyables en plus. Ah. Puppet Toys! Attendez. Taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Camion. Il nous pourchasse depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout près. Ok. Eh ben écoutez, on va tout fouiller. Puppet Toys encore? Ah oui. Bon, on va se battre à quatre là, les gars. Merde. Ellie, tu nous couvres. T'as trouvé quoi? Bien sûr. Que dalle. Sam, on dirait qu'il y avait quelqu'un là. Mais ils sont partis. Ok. Et où sont les autres? Ils voulaient refaire un dernier tour. Pour s'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ok. Va jeter un œil par là. Je vais fouiller cette zone. Ok. Oh. Ça va être chiant. Ça va être chiant et j'ai pas de quoi faire diversion. Quel talent, waouh. Tu te moques de moi là ou... Je tiens maintenant, connard. Bon allez, toi, tu dégages. Hop, hop. Bon. Bordel.
Putain, me tue pas, mec. Arrête, arrête, je t'en prie. Vraiment. 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 Ne pas te tuer. Il est drôle. Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Le vieux qui vous emmerde. Allez, sur le camion. Ok. D'accord, écoutez, on a fait le tour. Il y avait rien. On va pouvoir. Merde, il y en a d'autres en haut. Ah. Ah oui. Bougez pas, je prépare la manière dont je vais vous tuer, les potes. Bien joué. Bien joué. Alors les gars, vous allez être très très chiants. Sors ta petite tête, toi. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Vous vouliez être sympa au début. Je me suis dit peut-être une balle de sniper. Non, vous m'avez saoulé. Ah, il y a des choses à dire, les gars. Allez. Vous savez quoi? On va s'arrêter pile poil ici. On reprend notre aventure avec Sam et compagnie, évidemment, avec l'épisode 13. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Bisous tout le monde. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.